Une salle multimédia équipée d'une quarantaine d'ordinateurs avec onduleur, une imprimante grande capacité et un vidéoprojecteur. Le tout d'un montant de 30 millions de francs CFA offerte à l'université Nangia Brogwa. Une salle obtenue grâce au projet d'appui à la gouvernance universitaire et à la réforme de l'enseignement supérieur à Gurès, financé par l'ambassade de France. Elle vient renforcer les capacités de mise en œuvre du système LMD, licence, master, doctorat. C'est un premier pas. Nous allons appuyer le gouvernement de Côte d'Ivoire pour construire d'autres salles multimédia à Nangia Brogwa, mais aussi dans les autres universités publiques. Mettre en place le système LMD, il y a des préalables. Renforcer les capacités informatiques, renforcer les capacités documentaires. Un équipement important avec connexion Internet qui permettra l'accès aux ressources documentaires en ligne et à des bases de données de formation. La mise en place de la réforme licence master doctorat ne peut véritablement être réussie sans support informatique. Le fait de pouvoir aller sur Internet permet de donner des cours de meilleure qualité. On était obligé de sortir de l'université pour aller faire nos recherches dehors. Maintenant qu'on a la salle multimédia, nous savons que cela va vraiment apporter un souffle. Le projet d'appui à la gouvernance universitaire et à la réforme de l'enseignement supérieur à Gurès, financé à plus de 650 millions de francs CFA, apporte un appui à la gouvernance universitaire. Plusieurs autres structures d'enseignement supérieur bénéficieront de projets de ce type.